Alors, je m'appelle Chiara Barison, je suis italienne. Je viens d'une ville qui s'appelle Padoue, pas loin de Venise pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai 33 ans et je suis docteur de recherche en politique transfrontalière. Je suis à la base sociologue, donc je m'intéresse naturellement des questions sociales. Je pense qu'aujourd'hui, les sciences sociales déjà ne sont pas évaluées comme il faudrait. Je pense surtout par exemple à l'Italie, mais même au Sénégal, je vois que c'est un petit peu la même chose. On pense que c'est des matières qui ne peuvent apporter à rien que des discours théoriques sur la société. Mais les sciences sociales aujourd'hui sont fondamentales pour ce qui concerne déjà les liens entre les gens, pour traduire les différences culturelles et communiquer d'une façon beaucoup plus facile, et puis aussi amener des résolutions concrètes à des problèmes concrets. Et comment je suis arrivée au Sénégal? Je pense que c'est la question que beaucoup de gens me font, parce que ce n'est pas évident peut-être de voir aujourd'hui une jeune européenne qui a décidé d'émigrer vers l'Afrique, parce que normalement les gens pensent que la migration, c'est tous les flux migratoires arrivent de l'Afrique pour aller vers les pays européens. Mais aujourd'hui on est en train de voir un changement dans les vagues migratoires. Donc aujourd'hui à émigrer sont souvent des jeunes européennes qui émigrent dans les pays qu'ils ont connus à travers des amis qui à leur tour étaient immigrés dans leur pays, dans ce cas-là les Sénégalais. Et je suis arrivée ici parce que des amis sénégalais m'ont fait découvrir le Sénégal. Et j'ai décidé de terminer ma recherche de doctorat ici pour ce qui concernait la thématique de la frontière et aussi la thématique de la migration et la thématique des femmes, qui est une thématique qui m'est très chère. Et donc j'ai décidé de rester et je commençais à travailler ici comme professeur dans certaines écoles privées. Je donne le cours en communication et sociologie visuelle. Et puis j'ai commencé depuis un an et demi à travailler comme journaliste animatrice pour la TFM, la télé du chanteur sénégalais le plus connu dans le monde, Youssou N'Dour. Et thématiques qui me sont chères, comme je disais, c'est la thématique de la frontière et la thématique de la migration et la thématique des femmes, qui apparemment peuvent sembler des thématiques très distinctes, mais qui ne le sont pas. Peut-être on peut associer la thématique de la frontière à la thématique de la migration, parce qu'avec la migration, on dépasse, on cherche de dépasser les frontières. Et la thématique de la femme que j'ai découvert en fait ici, quand j'ai conduisé mes recherches, surtout concernant la migration. Parce que je m'étais rendu compte d'une chose, en étant une Européenne qui recherchait sur la migration, que souvent en Europe, quand on réfléchit sur la question migratoire, on se focalise souvent sur les migrants, sur celui qui est parti, les raisons qui l'ont poussé à émigrer, et, ou comment ou pourquoi il décide à un certain moment de retourner au pays, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Et concernant le Sénégal, on avait déjà tout entendu sur les migrants sénégalais. Mais quand j'étais ici, j'ai découvert la société sénégalaise. La société sénégalaise, c'est une société matriarcale, où la femme joue un rôle essentiel à l'intérieur d'une famille. Et je voyais que par rapport aux hommes, les femmes déjà c'était un peu minoritaire, les pourcentages de femmes qui partaient. Mais derrière les hommes qui partaient, il y avait toujours des femmes. Et on ne parlait jamais de ces femmes qui restaient derrière leur mari émigré. Et pourtant, ces femmes étaient là, étaient présentes, grandissaient les enfants de ces hommes qui étaient partis. Elles vivaient des mariages qui n'étaient plus les mariages comme même nous on l'imagine, donc un mari à la maison, une femme. C'était des femmes qui vivaient des mariages séparés de leur mari pendant des années, qui souffraient, qui étaient obligées de vivre dans la maison familiale, parfois avec beaucoup de difficultés. Parce que ce n'était pas parfois facile, parce que par exemple dans une maison familiale, une femme d'un immigré qui reste à la maison de son mari, elle doit se charger de faire tous les travaux à la maison, de cuisiner, préparer, laver, repasser. Et souvent elle vit des chantages psychologiques qui ne sont pas faciles à gérer, parce que parfois la mère ou les soeurs, elle la menace en lui disant « si tu ne fais pas le travail, on va appeler ton mari, on va lui dire que tu n'es pas une bonne femme, on va te chercher une co-épouse. » Et donc je me disais, pourquoi on ne parle jamais de ça? Des femmes qui ne peuvent pas voyager parce que peut-être elles ne vont pas avoir le visa, elles ne peuvent pas rejoindre leur mari. Donc c'était le temps
de un petit peu ressortir la question de la femme. Donc, je commençais à m'intéresser à l'intérieur de la question migratoire et j'ai découvert un monde. Parce que ces femmes que je voyais au début, comme souvent, les regards occidentaux sur la femme africaine, c'est des femmes soumises, des femmes qui sont commandées par leur mari, des femmes qui sont à la maison, qui attendent, dépendantes économiquement et voilà, et dépendantes à 360 degrés de l'homme. Eh bien non, j'ai découvert que ce n'était pas le cas. Les femmes sénégalaises sont des femmes très fortes, sont des femmes qui décident à l'intérieur de leur ménage familial et à l'intérieur de la société. Parce qu'il ne faut pas oublier que la société sénégalaise, aujourd'hui on a l'exemple, on a un premier ministre femme, on a des femmes qui, on a dans l'armée, les chefs de l'armée, c'est une femme. Donc je me disais, il y a quelque chose dans la vision occidentale qui n'est pas correct. Des femmes qui travaillent, souvent dans la famille, les femmes qui amènent l'argent, la dépense quotidienne, et souvent les maris par exemple n'ont pas de travail. Donc la femme qui se débat un peu entre justement tradition et modernité. Donc cette femme qui elle commence un petit peu à évoluer dans ce sens. Donc je n'aime pas utiliser les mots évolution parce que c'est un mauvais mot, mais qu'elle cherche de changer cette vision des femmes un petit peu soumises vers une femme qui est plus socialement active mais visible. Parce qu'avant, on ne la voyait pas. Maintenant, la femme a décidé qu'elle veut se montrer. Et elle veut se montrer et montrer c'est quoi la position de la société sénégalaise. Et c'est une position assez forte. Parce qu'une société où une femme qui est mère peut décider, peut choisir et imposer à son fils homme une femme, c'est une société où la femme, elle décide tout. Et c'est fondamental. On discutait sur un petit peu le concept principal du rôle de la femme à l'intérieur de la société sénégalaise. Il faut dire que, de ce que j'ai pu constater en étant ici, on peut clairement voir que le centre de la société, c'est la famille. La famille entendue dans un sens large. Donc, ce n'est pas justement la famille père, mère, enfant, mais c'est vraiment la famille élargie qui touche même les quartiers. Donc, on a cette vision et à l'intérieur de ça, on peut dire que la chose principale, surtout si on parle de femmes, c'est le mariage. Parce que tout s'épanouit dans la question du mariage pour arriver jusqu'au code pénal qui est conçu en pensant justement à la famille et au mariage. Et donc, une femme pour une femme, sénégalaise, c'est jusqu'à aujourd'hui ce qui compte vraiment, c'est de se marier et de devenir la femme de quelqu'un et voilà, et donc pouvoir gérer sa propre famille parce que c'est à l'intérieur de sa propre famille qu'elle peut vraiment avoir son pouvoir, sa voix et prendre ses propres décisions. Jusqu'à avoir qu'aujourd'hui, par exemple, justement avec la nouvelle technologie, les voyages, les cultures se métissent. Même ici, au Sénégal, on a les influences des sociétés occidentales. Justement, les jeunes filles, peut-être, veulent ressortir un petit peu de la tradition qui leur impose, par exemple, de trouver un mari qui est suggéré par la famille. C'est souvent quelqu'un qui peut se prendre soin économiquement d'elle, et pas seulement d'elle, mais de toute la famille de la femme. Et elle voudrait se voir d'une façon beaucoup plus indépendante, choisir leur mari, choisir leur travail, décider de se marier peut-être à un âge différent, que ce ne soit pas vraiment un âge post-adolescence. Aujourd'hui, on trouve des femmes sénégalaises de plus de 30 ans qui ne sont pas encore mariées. Et justement, ces femmes-là, elles sont mal vues à niveau social parce qu'une femme qui n'est pas mariée à 30 ans, ça commence à poser des problèmes au niveau de la famille parce que les gens vont commencer à poser des questions à la famille. Donc, elle fait que c'est jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut que la femme soit mariée. Sinon, ce n'est pas concevable que voilà, la décision, par exemple, d'une femme de se marier, c'est vraiment mal pris. Et puis après, il faut dire que aujourd'hui, les jeunes femmes aussi, je trouve qu'elles sont en train de copier un petit peu certaines choses de société occidentale, mais d'une façon un peu négative. Et il y a des choses de la tradition qui sont évoluées d'une façon aussi négative. Parce que par exemple, la question du mariage, l'homme devait se prendre soin de la femme à niveau culturel.
culturel, à niveau aussi religieux. Ici, c'est la religion islamique aux 90% de la population, donc on a de très fortes chances de trouver des Sénégalais qui sont musulmans. Et même pour la religion, le rôle de l'homme, c'est de prendre soin aussi économiquement de la femme. Donc, si à niveau de tradition, la femme sénégalaise, même à l'intérieur du continent africain, c'était la femme très féminine, très belle, très charmeuse, elle est connue dans tous les continents africains, mais qui se respectait. C'était une femme forte qui savait aussi se faire respecter par les hommes. Je fais un exemple, on vit quand on parle de culture. Il y a ici une pratique qui est appelée en Wolof Mbaran. Mbaran, c'était à niveau historique et culturel, cette capacité des femmes de charmer l'homme, de faire de telle sorte que les hommes pouvaient s'intéresser, mais sans lui donner, sans se donner à l'homme. C'était juste le charme. Et les hommes, justement, étaient attirés par cette charme de la femme, et après tous les hommes se proposaient en tant que mari. Donc c'était une qualité de la femme, la capacité de charmer, mais en se faisant respecter. Aujourd'hui, malheureusement, ces mots n'ont plus la même valeur. Parce qu'aujourd'hui, une valeur positive culturelle, c'est devenu un mot qui est aperçu négativement. Si aujourd'hui on sort et on parle avec des gens dans la rue, des Sénégalais, on dit « qu'est-ce que tu penses du Mbaran ?» Ils vont rigoler déjà. Et après, ils vont dire « ah, le Mbaran c'est mauvais, le Mbaran c'est mauvais » parce que c'est devenu aujourd'hui une sorte de prostitution qui n'est même pas trop subtile, que tout le monde connaît. Donc les jeunes filles, elles ont amené leur beauté à l'extrême. Donc on voit des maquillages extrêmes, les changements de la couleur de la peau, une autre pratique qui est appelée Ressal. On éclaircit la peau parce qu'on a l'idée qu'une femme plus claire peut attirer plus des hommes, peut intéresser plus des hommes. Donc c'est comme si à un certain moment les jeunes filles ont décidé de donner plus de la valeur à l'esthétique. Donc on vise tout sur l'esthétique, sur la capacité de charmer et beaucoup moins sur les contenus. On se vide d'intériorité et on met tout sur l'extériorité. Et malheureusement, on n'a plus cette capacité parce qu'on n'a plus si on ne se prend pas soin de l'intérieur, de l'éducation, etc., on commence à perdre aussi le respect que nous-mêmes on a de nous, donc les autres aussi ne peuvent pas nous respecter. Et donc ces jeunes filles qui vivent tout sur l'extérieur, mais elles veulent avoir de l'argent, donc elles se donnent à tous ces hommes qui justement l'entourent parce que c'est des femmes, des jeunes femmes très belles, mais elles se donnent à plusieurs hommes, quand dans la tradition c'était le contraire, c'était charmer avec élégance. Et aujourd'hui malheureusement c'est devenu une pratique courante, donc des jeunes femmes qui ont 4-5 copains, de chaque 5 copains, elles se font donner de l'argent. Donc elles survivent de cette façon et c'est devenu normal. Et ça c'est grave. Si on pense qu'aujourd'hui c'est la société sénégalaise, bon, à niveau de tradition, à niveau d'histoire, la femme c'était celle qui travaillait pour gérer sa propre maison, travaillait parfois à côté du mari, et c'était la femme qui tenait beaucoup au respect de soi-même, tout en étant la femme africaine par excellence, la femme de rondeur, les femmes sénégalaises ont été toujours belles. Elle aimait se prendre soin d'elle, même si on allait dans les villages les plus profonds, la femme elle sortait de sa cabane toujours élégante. Donc ça c'était, et malheureusement ça c'est une hybridation de société, un peu avec la migration, de l'argent qui arrivait un peu plus rapidement, avec l'image aujourd'hui qu'on a, que ce qui compte pour une personne, c'est d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, malheureusement, la société sénégalaise, c'est une société de l'extérieur qui vise beaucoup sur ça, sur ce qui est en surface. Et donc, c'est plus important vraiment c'est que comment une personne est à l'intérieur, c'est qu'une personne peut nous apporter en termes d'apprentissage, d'échange culturel, mais c'est vraiment important que cette personne aille de l'argent et qu'il puisse le partager avec les gens. Donc, c'est pas important comment tu as cet argent, mais l'important c'est que tu as de l'argent et tu manques de valeur dans l'escale sociale. Et ça, c'est une autre chose négative. Par contre, il y a encore des femmes qui ont cette capacité de peut-être de s'associer
Donc la capacité associative que nous, on a un peu perdu, je trouve, en Italie, par exemple, de s'associer et de chercher à travers des associations de femmes, de un petit peu garder les traditions, de chercher d'informer les jeunes, de chercher de combattre ces nouveaux phénomènes qui sont en train de prendre place malheureusement, et de chercher de créer quelque chose de beau dans plusieurs niveaux, niveau social, culturel, professionnel. Et ça, c'est une grosse capacité que les femmes ont. Et même à travers les associations de femmes, qui sont très importantes, elles ont eu la capacité de se faire respecter même à niveau d'État, où souvent c'était des hommes qui commandaient, mais les femmes, petit à petit, elles ont grimpé jusqu'à arriver à avoir des positions d'État très importantes. Donc ce que je souhaiterais, moi, c'est un changement peut-être à niveau éducatif, à niveau des écoles par exemple, à niveau même de l'éducation primaire dans les familles, et de chercher de faire de telle sorte que les jeunes femmes puissent être éduquées d'une façon différente. Donc c'est vrai que l'argent ça compte, surtout dans un pays pauvre, mais c'est important de faire comprendre à ces femmes que la direction qu'elles ont prise, ce n'est pas la bonne direction, mais le travail qu'il faut faire, c'est sur soi-même, sur le travail, sur l'éducation. Voilà.